Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre un porte-savon ou un étui à brosse à dents? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre un porte-savon et un étui à brosse à dents. Pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai réalisé ce tutoriel pour un atelier de couture qui a lieu tous les deuxièmes samedis de chaque mois dans ma commune. Et comme je l'ai préparé pour eux, je le partage avec vous, car je me dis que cela peut vous être utile. J'ai réalisé un porte-savon en deux formats, donc un format où vous allez pouvoir en mettre un et un autre un peu plus grand où vous allez pouvoir en mettre deux. Le double sera donc un peu plus grand que celui-ci et le simple un peu moins large. Je l'ai réalisé avec du tissu éponge et du coton, mais vous allez pouvoir utiliser du tissu enduit. Ensuite, il se ferme avec deux pressions sur le haut. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment faire un étui à brosse à dents. Donc, j'ai utilisé les mêmes tissus. Il se ferme aussi avec deux pressions. Pareil, j'ai modifié le patron pour que les pressions tombent pile poil sur la deuxième pochette. À l'avant de cette pochette, j'ai rajouté une deuxième pochette. Vous allez pouvoir y mettre, je sais pas, vos embouts de brosse à dents ou vos prises électriques pour les brosses à dents électriques rechargeables. Ce patron s'adapte parfaitement à vos brosses à dents classiques comme les brosses à dents électriques. Donc j'y ai mis également un ruban sur le côté, mais c'est optionnel, hein, vous pouvez ne pas le mettre, pour que ensuite on puisse replier la pochette et faire ensuite un nœud tout autour. Dans la vidéo, j'indique toutes les mesures pour réaliser ce porte-savon et cet étui à brosse à dents, mais bien sûr, il y a un livret à télécharger où vous trouverez le patron à imprimer. Je sors des vidéos pratiquement toutes les semaines et ça m'arrive des fois d'en sortir un peu plus. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Un petit pouce bleu pour me remercier et aussi si la vidéo t'a plu. Et un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur de lire vos impressions. Alors, je vous montre comment on coud ce porte-savon et cet étui à brosse à dents. A tout de suite, après ça.